Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de l'outil collaboratif de Lectora. Donc, l'outil collaboratif, en fait, est utilisable à partir de la publication de votre titre. Donc, j'ai ici un titre, hein, de manière très classique, et je vais donc cliquer sur l'onglet Publier. Et dans cet onglet Publier, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un lien possible qui s'appelle Publier vers ReviewLink. Donc, je vais cliquer vers ce lien. À partir de ce moment-là, s'ouvre la fenêtre classique de publication. Donc, je vais continuer comme si je publiais normalement. Et à partir de ce moment-là, il m'est demandé d'ouvrir une session. Donc, pour ouvrir une session, en fait, il s'agit d'ouvrir une session sur une plateforme collaborative qui va vous permettre, en fait, de déposer ensuite votre titre et de le soumettre à un certain nombre d'utilisateurs pour commentaires. Donc, tout simplement pour créer un compte sur cette plateforme collaborative, il va falloir rentrer votre adresse email et un mot de passe de votre choix. Dès que vous avez effectué cette manipulation à partir de Lectora, votre compte est automatiquement créé dans ReviewLink. Pour ma part, j'ai déjà un compte ReviewLink, donc je vais réindiquer ici tout simplement mon adresse mail et mon mot de passe. Dès lors, j'ai accès aux différentes options de ReviewLink, qui sont soit de mettre à jour le contenu existant, ce que je vais effectuer ici, puisque c'est un module que j'ai déjà chargé, donc une nouvelle version. Il est possible également de le publier en tant que nouvel article ou pour un nouveau titre, eh bien de publier un nouveau titre. Je peux inviter des examinateurs via leur adresse email que je séparerai par des virgules pour faire en sorte qu'ils puissent accéder à ReviewLink et à poser leurs commentaires. Et je peux également préciser la date, une deadline pour les commentaires. Donc je vais cliquer sur OK. La publication va démarrer, donc elle se fait de manière tout à fait classique. Et j'ai à partir de ce moment-là la possibilité d'uploader le titre sur la plateforme ReviewLink. Donc je vais cliquer sur le petit bouton Upload. Donc le module est en train d'être chargé sur la plateforme ReviewLink. Voilà qui est fait, votre titre a été correctement chargé sur ReviewLink. À partir de ce moment-là, il est possible de revisionner ce module dans la plateforme ReviewLink accessible à l'adresse reviewlink.triventis.com. À partir de ce moment-là, je rentre mon email. Voilà, en fait, qui correspond à mon compte. Je vais renseigner mon mot de passe pour accéder. Et j'accède ainsi à quatre onglets. Un onglet qui présente l'ensemble des contenus qui sont à ma disposition pour commentaires, les différents contenus qui sont à revoir ou en cours de révision, les commentaires qui ont été récemment effectués et la liste de mes utilisateurs ou des personnes qui vont revoir les modules qu'il est possible d'organiser par exemple en groupe également. Donc je vais revenir sur la publication de contenu. Je vais lancer donc le dernier contenu que j'ai chargé sur la plateforme. Et donc j'ai accès ici à une fenêtre donc qui me présente le contenu et la possibilité donc dans la barre orange en bas à droite de cliquer sur New Comment pour pouvoir ajouter des commentaires à différents niveaux ou à différents moments du module. Par exemple, dès le début, je vais préciser ici un exercice ou une mention sur la traduction en signalant qu'elle est à faire en français. Je vais soumettre ce contenu et vous pouvez voir qu'il apparaît ici, qu'on a déjà une première traduction qui a été faite, qui a été réalisée hein, par l'indicatif fixe, et puis un nouveau commentaire qu'il sera nécessaire de prendre en compte pour pouvoir poursuivre le développement du module. Voilà, donc cet outil collaboratif s'avère très pratique et donc directement utilisable à partir de Lectora. Je vous rappelle simplement à partir de l'onglet Publier, Publier vers ReviewLink. À très bientôt pour une nouvelle démonstration.